Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Vous vous êtes souvent demandé ce qui fait courir ces gens qui ne tarissent pas d'éloges sur Ferhamatour ou qui font assaut d'ardeur, qui appellent de leur vœu un cinquième mandat, qui nous disent qu'ils voteraient pour lui, même mort. Vous vous êtes demandé pourquoi ils se bousculent à qui fera partie de ces comités de soutien, à qui sera dans les petits papiers de Monsieur Frère, pourquoi il s'étripe à qui sera le plus visible, le plus en avant, pourquoi ils organisent des cérémonies où ils rendent hommage à son portrait. Vous vous êtes demandé pourquoi ils sont si empressés, tellement zélés, à se couper en quatre pour faire un matou. En fait, et dit de la façon la plus directe, la plus simple qui soit, s'il y a autant de zèle autour de Bouteflika et de sa fratrie, surtout, c'est juste parce que tous ces zélateurs, tous ces courtisans, ont découvert que les Bouteflika sont tout ce qu'on veut, sauf des ingrats. Parce que les Bouteflika savent être d'une générosité inouïe sous nos latitudes, avec qui il les a servis. Générosité avec l'argent des Algériens, bien sûr. Oui, dans ces eaux troubles-là, se faire bien voir par les frères Bouteflika est comme avoir gagné le gros lot au loto. Ce n'est un secret pour personne dans la cour du roi. Quand les Bouteflika vous en veulent, ils vous démolissent, ils vous effacent. Ils font de vous un pestiféré que tout le monde fuit. Et quand vous les servez inconditionnellement, aveuglément, et que vous vous aplatissez à leurs pieds, ils vous couvrent d'or. Tous ceux qui les ont servis pendant la traversée du désert du grand frère ont vu leur vie se transformer en Eldorado. Ils sont devenus ministres, directeurs de cabinet, milliardaires. Ils ont été faits grands courtisans, grands courtiers dans des transactions d'État. Les crédits des banques leur ont été ouverts, à eux, à leurs enfants, à leurs familles, à leurs clients. Des lots de terrain dans les meilleurs endroits de toutes les belles villes d'Algérie leur ont été accordés. Et il n'y a plus de privilèges de toutes sortes qui ne leur aient été accordés. Et ainsi, les clients des Bouteflika sont-ils venus rejoindre les cohortes de clientèle postérieure, celles qui frayaient avec les généraux putschistes, avec le DRS, celles qui étaient déjà au Club des Pins, celles qui avaient déjà commencé à puiser dans le filon ces capitaines d'industrie dont le talent consistait à surfacturer leurs importations et exfiltrer des milliards de dollars vers leurs comptes de là-bas. C'est pour ça que la cour des clients, la cour, est globalement constituée de deux grandes catégories. La première est celle qui avait été créée par les généraux putschistes et qui avait prospéré sous leur aile à la faveur des années de sang. Et la seconde, considérée comme une caste de parvenus, par la première, est sortie de la cuisse de Bouteflika. C'est elle qui tient le haut du pavé aujourd'hui, même si elle est infiniment plus nombreuse et plus cosmopolite, j'allais dire, que la clientèle des généraux. Hier, un scandale est venu secouer la torpeur de la rue algérienne, qui ne réagit pourtant à plus rien. C'est qu'en l'occurrence, il est question de l'entraîneur de la sélection algérienne de football, M. Rabah Madjar. Et comme le football est le seul phénomène qui parvient un tant soit peu à secouer le cocotier algérien, en bien comme en mal, l'histoire a fait un gros tollé. Nous en parlerons tout à l'heure. Aujourd'hui. Orient 21, ces affaires de corruption qui éclaboussent le pouvoir algérien. D'Abdesalem Bouchareb à Chakib Khalil, par Lardar Ben Chiba. Algérie Focus. Usine de montage des véhicules de Tarkout à Tiaret, une immense supercherie.
Algérie 24. Scandale. Comment Majer a obtenu un lot de terrain de 3400 m² à Alger. Par Aderbal. Les clients du régime entre privilèges et pillages. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, aujourd'hui avec moi sur le plateau, Hassan Hirsch, docteur en sciences économiques. Merci Hassan d'être avec nous. Merci à vous. Nazim Taleb, représentant de Rachad. Voilà, membre du secrétariat de Rachad. Merci Nazim d'être avec nous. Merci de l'invitation. Hassan Moussi, économiste qui est avec nous depuis le Canada. Merci Hassan Moussi d'être avec nous. Je suis avec vous. Bonjour à tous. Bonsoir. Et un nouvel invité qui nous a fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous, Mesoud Adjou, jeune retraité qui était, entre autres, directeur de la limonaderie, brasserie de Raya. Merci d'être avec nous, Mesoud Adjou, qui est avec nous en Skype aujourd'hui. Bonsoir, si, monsieur Bouf. Ben, je suis heureux d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, en Algérie, un gros pavé dans la mare, hier. Normalement, il n'aurait pas dû choquer plus que ça, parce que comparé aux autres scandales, c'est un tout petit scandale. Mais toute la presse a fait état de 3400 mètres carrés qui ont été accordés à M. Majer et à son fils, dans plein USND, dans l'endroit, le meilleur endroit du USND, les Sablettes, pour en faire un projet sportif et en même temps de loisirs. Et donc là, ça surtout que l'Algérie vient de perdre face à l'Iran dans un match amical, alors là, ça, on dirait que ça a été choisi, ils lui ont balancé au moment où. Et là, ça a soulevé un véritable tollé en Algérie, comme si c'était une exception, alors que en fait, c'est la règle. Comment ça se fait que les gens réagissent comme ça avec cette force quand il s'agit d'un entraîneur de football qui a pris 3400 mètres carrés de terrain à Alger et qu'il ne réagisse pas à des scandales autrement plus importants, beaucoup plus. Comment expliquez-vous ça? Il y a plusieurs facteurs, Jamal Dine. D'abord, il faut rappeler aux téléspectateurs que malheureusement, l'Algérie est jalonnée de scandales à répétition depuis 1962. Et particulièrement depuis l'arrivée de Mesoud Zeggar dans l'entourage de Boumediene, où la politique devient de l'affairisme. À partir de ces années-là, les années 1965 jusqu'à 2018, on a assisté effectivement à une série d'affaires, avec son attraque, avec le foncier, avec plein de secteurs économiques. Tout ce qui concerne la douane, tout ce qui concerne les devises, tout ce qui concerne l'import-import. Je m'excuse de vous interrompre. Monsieur Zeggar, qui était en effet un milliardaire, il a fait l'essentiel de sa fortune, pour ne pas dire la totalité de sa fortune, à l'extérieur de l'Algérie. Oui, mais il n'a pas profité de l'Algérie, il n'a pas pillé. Hein, il a même été jusqu'à avoir un avion privé pour kidnapper sa soeur. Sa soeur, du Canada, oui. De façon impunie. Oui, oui. Il était l'affairiste du système. L'affaire Moschino, le fils de l'ancien. Oui. Mais lui a fait son argent dans de grandes transactions internationales. Oui, mais on ne pouvait pas à l'époque il n'a pas faire volé des transactions des affaires internationales. L'Algérie sort de l'indépendance. Oui. Comme ça, on peut faire des transactions à l'international avec des millions. Il l'a fait à l'extérieur. Hein. Bon, il l'a fait aux États-Unis. Bah, je ne connais pas les détails. C'était l'ami de deux chefs d'État américains. L'homme de main de Boumediene. Oui, c'était son homme de main, voilà. Son homme secret qui menait ses transactions avec les États-Unis, normalement. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas là pour parler des personnes. Non, je voulais juste rétablir un peu. Mais toujours est-il que le mélange du politique et des affaires, et des affaires depuis ces années-là, jusqu'à aujourd'hui, a fait que effectivement on assiste à une série de scandales, tous énormes les uns que les autres. Et bien sûr, ce qu'il faut observer, c'est la nature des institutions qui permettent justement ces scandales-là, ces dérives, ces détournements, ces octrois effectivement de privilèges
insondable au sein de... Exorbitant. Tout à fait. Donc, ce qu'il faut observer, ce sont les institutions. Les douanes, la police, la justice, l'armée, la gendarmerie, etc. Qu'est-ce qui fait que, justement, ces institutions qui sont censées préserver les deniers publics, qui sont préservés les biens de l'État, et donc les biens du peuple algérien, qu'est-ce qui fait que c'est au cœur de ces institutions-là que se déroulent les pires scandales, les pires détournements et les pires avantages criants. La banque aussi, la Sonatrach aussi. Absolument. Les échanges internationaux, les importations. Absolument, les grandes entreprises étatiques. Et le pillage du secteur industriel. Qui a été démantelé, qui a été... On va en parler tout à l'heure, justement, avec M. Adjo, entre autres. Mais Nazim, Je crois que si on veut analyser deux, trois mots, peut-être pour terminer mon raisonnement, il y a trois institutions. Ce n'est pas propre à l'Algérie, il y a trois institutions, c'est propre à tous les pays du monde. On a l'État et les collectivités locales, on a l'entreprise, et on a la famille. Oui. Or, l'État algérien est affaibli depuis le coup d'État de 1962 et privatisé. Les entreprises étatiques sont affaiblies parce qu'il n'y a jamais de compte à rendre. Elles sont quasi toutes déficitaires et puisent justement de l'argent pour combler le déficit dans le trésor public. Et il y a la famille. La famille élargie au sens méditerranéen du terme, une famille élargie qui, d'un point de vue anthropologique, rassemble évidemment l'ensemble de la fratrie, des cousins, de la famille élargie, c'est-à-dire le groupe agnatique, pour parler en termes anthropologiques. Oui. Or, précisément, étant donné la faiblesse de l'État, étant donné la faiblesse des institutions, la place de la famille est devenue importante au cœur des institutions algériennes. Le clan. Absolument. Le clan, la tribu. Tout à fait. Je vais revenir à vous, Hassan. La tribu au sens négatif. Au sens négatif, bien sûr. Nazim Taleb, avant Bouteflika, c'était la clientèle, la cour, la cour du roi, qui était agglomérée autour des généraux putschistes. Et ils ont fait leur bonheur, leur richesse, généralement tous ceux qui les ont soutenus. C'était M. Blé, M. Sucre, qui avait des prébendes, M. qui a des crédits bancaires. Monsieur. Mais il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc c'était quelques grappes de clientèle. Mais avec l'arrivée de Bouteflika, ça a changé du tout au tout. Les gens sont devenus milliardaires en dollars. Ça veut dire, moi je parle du sommet de la nouvelle clientèle. Non seulement, et puis Bouteflika a montré dès son arrivée quelque chose de très simple. C'est que les Bouteflika, quand vous avez été leur ennemi, ils vous ravagent. Il vous efface. Ça a été le cas de tous ceux qui ont soutenu Benflis. Moi, je connais même le cas d'un sous-préfet qui a été limogé sans aucune notification. Et ceux qui étaient du côté de Bouteflika, qui l'ont soutenu pendant sa traversée du désert, comme par exemple Barkat de Biskra, qui est devenu ministre, ils sont tous devenus ministres, chefs de cabinet, Mgeddem, par exemple, chefs de cabinet, milliardaires, ils ont eu table dressée. Mais là, en ce moment, ils sont en train de dépasser toutes les... Par exemple, Majer, qui a eu 3400 mètres carrés, il faut rappeler qu'il a été membre directeur, je crois, du comité de soutien de Qatar pour Bouteflika et membre au quatrième mandat, aux côtés de Sellel pour le quatrième mandat. Ça, c'est une des récompenses. Donc, Bouteflika agit vraiment comme un roi qui dispose de sa cassette pour récompenser les uns et les autres. Bon, il est clair que le régime il a évolué, c'est-à-dire qu'avant la décennie noire, les généraux, c'est eux qui détenaient directement les leviers de l'État. Oui. C'est-à-dire quand je parle des leviers de l'État, économique aussi. C'est-à-dire on avait un général qui s'était chargé du blé, l'autre qui était chargé du sucre. Après les années 2000, ils se sont un petit peu cachés derrière des chefs d'entreprise, des soi-disant chefs d'entreprise. On se rappelle Khalifa, on se rappelle l'Amari qui avait investi dans Tony, pour lequel il a obtenu un crédit de 6 000 milliards.
On a des rebrab, on a des haddad, etc. Donc c'est la vitrine, au fait, généralement, de gens qui sont super puissants, à qui on leur a donné, finalement, toutes les portes pour pouvoir, par exemple, importer du sucre, de l'huile, avoir le monopole. Absolument. Donc ça, c'est une première évolution. Seconde évolution, ce qu'il faut noter, c'est que Bouteflika, quand il est venu, la première des choses, c'est avoir, il a dissous la Cour des comptes. Ça, rappelons celle qu'il avait condamnée lui-même pour détournement. Et c'était un règlement de compte, finalement. Oui, c'était Bouteflika, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. Mais on a utilisé cette commission pour condamner Bouteflika, pour qu'il soit banni et qu'il n'y ait plus de concurrence et qu'on nomme Chadli président à l'époque. Donc, ça a été réactivé après les événements de 2011. On se rappelle des événements de 2011. Mais en réalité, cette Cour des comptes, elle n'a que le nom, c'est-à-dire elle n'a produit aucun rapport, elle a fait une enquête sur aucun scandale, en tout cas, qui ont une envergure internationale, comme par exemple l'affaire Saipem, où Shakib Khalil il est directement mis en cause par la justice italienne pour avoir touché aux alentours de 200 millions de dollars. Après, concernant Majer, moi, personnellement, c'est un article. Bon, moi, je crois vraiment à la présomption d'innocence, donc je ne sais pas, ils ont dit un article, il a profité de 3200. Mais il n'en demeure pas moins que, comme vous avez dit, quand on est dans un régime dictatorial où c'est un régime clanique, c'est un régime où on veut avoir même base sur une certaine économie, il est clair que c'est le mode de fonctionnement privilégié. C'est-à-dire, et généralement, c'est les plus minables et c'est les plus moins méritants qui ont le droit à ces privilèges-là. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des députés comme, par exemple, Tleba, qui n'a aucun niveau. On a des députés qui n'ont aucun niveau scolaire. Ouais. C'est-à-dire, je crois que la moitié de l'Assemblée n'a aucun niveau scolaire. On a des ministres qui ne savent même pas s'exprimer, encore moins qui agissent pour le bien du pays. Donc, je dirais que c'est une conséquence normale et je dirais même que c'est une politique, dès le départ, voulue par ce clan-là. C'est-à-dire qu'on va vous donner tout ce que vous voulez, mais il faut l'allégeance, comme vous avez dit. Il faut pas critiquer, il faut rien. Et malheureusement. Et il faut soutenir la famille royale. Ah ben bien sûr, ben oui, quand on est courtisan, des gens comme par exemple Ould Abbas qui dit on est mieux que les États-Unis, on est mieux que je ne sais pas quoi, il est en train de Bouteflika la dernière fois, la dernière vidéo, il a dit comment vous dites Allah échafé ? Comment ça comment vous dites Allah échafé ? Alors qu'il dit c'est ça, il a sacrifié sa santé d'un autre côté. Alors il dit il a sacrifié sa santé. Pourquoi vous dites Allah échafé ? Voilà. Donc, Ould Abbas, sans Bouteflika, il serait resté médecin, etc. Donc, mais il est milliardaire aujourd'hui, Ould Abbas, et sa famille, son fils. Après, bon, je ne tiens pas les comptes, mais quand je vois la corruption qui ronge nos pays, forcément, ça profite à ceux qui sont au pouvoir. Donc après, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire c'est qui est milliardaire, c'est qui ne l'est pas, mais je vous dis tout simplement que c'est des gens qui sont complètement en dehors de la réalité pour dire que le président n'est pas malade, il ne faut pas dire l'échafé parce qu'il est présent, et pourquoi etc. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont du répondant, et on leur donne, on les récompense pour ce qu'ils vont. Ça a existé depuis la nuit des temps, c'est-à-dire les rois, ils ont leurs courtisans qui défendent ce régime parce qu'ils profitent de ce régime. Ils n'ont pas intérêt à ce que ce régime tombe parce qu'ils profitent. Ils sont devenus milliardaires, c'est-à-dire que dans un état de droit, dans un état bien régi, avec une justice sociale, etc., ces gens-là n'auraient jamais pu accéder à des postes pareils. Impossible. Hassan Moussi, vous êtes donc économiste, vous êtes au Canada. Mais vous allez souvent en Algérie, vous voyez ce qui s'y passe. Tous ces clients du régime qui sont tellement zélés autour de la fratrie Bouteflika et qui semblent recevoir en échange beaucoup de privilèges. Est-ce que vous pourriez nous en dire, Hassan Moussi ? D'abord, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Vous m'entendez comme ça, Jamal ? Oui, très bien, très bien. Ok, excellent. Donc, moi, que j'aurais à dire, c'est loin de moi d'abord de faire dans l'attaque ad hominem à Jamal. Par conséquent, ce que j'ai l'intention de dire, pour répondre à votre question, est tout à fait vérifiable. Moi, je commence par vous dire que nos seigneurs aujourd'hui à Alger, ils pensent tout se permettre. Le terrain, les maisons, la fortune, et le droit, etc. Mais tout ça me répulse.
Il me désole au plus profond. Il y a un souci. C'est le mot si je me permets de vous interrompre. On va voir avec la régie pour essayer de corriger. On ne vous entend pas très bien. Il y a des coupures. Mesoud Adjo, vous êtes avec nous en Skype. Oui, tout à fait, oui. Alors, Mesoud Adjo, vous étiez donc le directeur de la brasserie limonaderie de Raya, très connue. C'était un fleuron de l'industrie algérienne. Et un jour, et qui marchait très bien, c'était l'une des industries les plus rentables du pays. Et d'un seul coup, on a décidé de le vendre. Je vais donner quelques indications. C'est une usine qui s'étend sur, tenez-vous bien, 6 hectares. 6 hectares à Raya, alors dans la zone industrielle de Rouiba, plutôt, pardon. Elle a été cédée aux enfants du général Ataïlia. Vous allez nous dire en quelle année. Vous nous dites moins de 10% de sa valeur vénale. Je ne parle pas de la vraie valeur, hein, de celle du dessous de table, de la valeur vénale, 33 milliards de centimes. Alors, le monsieur, les jeunes enfants de Ataïlia se sont engagés à investir 100 milliards de centimes la première année seulement, dès la première année, et puis aller crescendo, à maintenir et à améliorer la production. Ils sont engagés, c'est un cahier de charge. Et à garder donc les travailleurs. À peine installés, ils ont licencié tout le personnel, ils ont arrêté la production, ils ont vendu les équipements en ferraille, ils ont démoli les bâtiments pour louer l'espace à qui ? À Coca-Cola, comme port sec. Ça veut dire c'est inimaginable. Et cela s'est fait tout naturellement, sans se cacher. Et ces gens n'ont jamais été interpellés, malgré la signature des cahiers de charges. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire, M. Odadjo, parce que c'est un exemple qui parle de lui-même. D'accord, ok, c'est bien sûr. Donc, bonsoir à vous et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Bon, j'aimerais d'abord préciser que je n'ai pas une position dogmatique par rapport à ça, la privatisation. Hein. J'ai toujours été pour une privatisation bien faite, bien menée. Bon, j'ai toujours milité pour ça. Donc, même du temps de la gestion socialiste de l'entreprise, je disais que le meilleur moyen pour tirer l'économie vers le haut, c'est la privatisation. Okay. Donc, on parle de ce cas. C'est un cas qui est connu, puisque tout le monde en a parlé à l'époque. Il y a pratiquement tous les journaux en ont parlé. Donc, en plus des éléments que vous avez donnés. Pardon, M. Odadjo, c'était en quelle année, la transaction? C'est en 2007. Hein, d'accord, en pleine période. Le CPE, donc c'est une résolution qui date de 2007. Hein. Le deuxième mandat de Bouteflika. Et je rappelle que le général Ataïlia a été le principal soutien de Bouteflika pour le premier mandat. Mais je vous laisse poursuivre. Alors, je voulais apporter une petite clarification. En fait, Coca-Cola ne l'utilise pas comme port sec, elle l'utilise comme magasin de stockage de ses produits finis. Hein. D'accord. Vous voyez, donc on a démoli complètement les bâtiments de production qui existaient à l'époque pour en construire d'autres avec une société étrangère. Et donc, passer de la production à la distribution, carrément au commercial. Là, c'est une aire commerciale. Voilà, vous avez aussi bien dit, je persiste, je cite, c'est un fleuron de l'industrie agroalimentaire à l'époque. En plus, c'est une plateforme, même si elle n'a pas à être orientée vers la brasserie limonaderie, c'est une plateforme industrielle de premier choix. Donc, c'est la zone industrielle Rue Balraya, deux façades sur l'autoroute, un accès direct sur l'autoroute à proximité de la gare ferroviaire. Donc, voilà à peu près tout. Je présume. Monsieur Odadjo, oui. Vous, en tant qu'ancien gestionnaire du secteur public, vous savez que le secteur industriel de l'époque a totalement été démantelé. Mais pour être privatisé dans le bon sens, comme vous dites, pour le confier à des gens performants qui auraient pu en faire quelque chose. Il a été démantelé et distribué aux copains, sous la table. Est-ce que vous connaissez beaucoup de cas d'entreprises, de terrains et de locaux qui ont été ainsi, qui ont subi le même sort que la brasserie limonaderie de Rouiba ?
Écoutez, c'est, je ne peux pas être affirmatif, mais je suis convaincu qu'il y a énormément de... Mais je ne suis pas affirmatif. Hein. C'est un cas que je connais bien, c'est pour ça que j'en parle. Hein. Voilà, donc, mais ce qui est étonnant dans tout ça, bon, c'est vrai que pratiquement tout le monde est au courant de cette transaction. Hein. Mais c'est une transaction entre de nombreux autres, hein. Il n'y a pas que ça. Oui, non, mais je dis, moi, je parle de la transaction dont je connais les tenants et aboutissants. Hein, donc, voilà, donc... Mais je suis convaincu qu'il y a une multitude de transactions pareilles. Hein, donc, et voilà. les fils à Thalia, ils ont signé un cahier de charges. Oui, en bonne et due forme, devant les autorités. En bonne et due forme, et les conditions que vous avez énumérées, donc, c'est les engagements, donc, du repreneur. On appelle dans le cahier de charge, dans la résolution du CPE, les engagements du repreneur. Et la loi, normalement, qu'est-ce qu'elle dispose dans le cas de non-respect de ce cahier de charge, normalement? Ben écoutez, c'est clair. Bon, si les gens ne respectent pas, donc, écoutez, si vous voulez, la transaction devient caduque. C'est clair. Et puis, bon, maintenant, si on leur a donné la possibilité de l'utiliser autrement que pour ce qu'il était destiné. Donc, le bon sens aurait voulu qu'on fasse un avis d'appel d'offres et qu'on mette tout le monde, qu'on mette ça en concurrence, puisque là, en fait, on a vendu une assiette foncière. Une assiette foncière, donc, qui est vente de premier ordre. Hein, donc, voilà. Restez avec nous, M. Oudadjou. Hassan Moussi, vous êtes avec nous. J'espère que le son est meilleur. Oui, je crois que c'est réglé, oui. Très bien. Alors, je vous laisse poursuivre. Vous avez entendu, M. Oudadjou, ex-directeur de la brasserie Limonaderie de Rouiba? Sincèrement, je n'ai pas écouté, ben, parce que là, on venait de me rétablir. Oui. Et puis, je voulais poursuivre un peu dans ce que je vous disais tout à l'heure. D'accord. OK, Jamal. Oui, donc, je disais que mon dirigeant, l'arrière doit en faire... Je parle de l'écosystème. Mon système seigneurial ne se maintient et ne se prospérerait jamais que grâce... Hassan Moussi, je crois que vous êtes en train de vous déplacer, vous marchez. Quand vous marchez, ça se coupe. Essayez de ne pas bouger quand vous parlez, s'il vous plaît. Ok, je vais essayer de ne pas bouger. Donc Jamal, oui. on se maintient, notre système se maintient grâce à toutes ces pratiques malsaines, je disais. Et ils ne font que pour ces pratiques malsaines. Nos dirigeants n'ont rien fait d'autre. Surtout qu'ils sont arrosés à Jamal, ils sont arrosés de tout ce qui s'appelle fortune et richesse, sans qu'ils ne soient inquiétés. Le cas de Majer, celui-là dont il s'agit dans une de vos questions, c'est, moi je dirais c'est juste la pointe de l'iceberg. Nous avons battu, à mon sens, le record dans la pratique des passe-droits, des pralons, surtout que ceux-là qui acceptent sans scrupule à ces dons à Jamal, c'est bon du ciel, pourtant c'est le bien du peuple. Il ne faut absolument rien pour régler les problèmes sociaux des citoyens. Si ce n'est de l'utiliser de pièces de la misère. Il y en a des millions au sommet de la pyramide et leurs satellites géniales qui en profitent. Donc il est temps. Nous avons connu, moi je vais passer, je vais dire ce que notre ami Hassan ne voulait pas dire. Moi je vais citer de nom. Nous en avons connu des Bouchouerov, des Chérif Abdorf, des Soudan, des Saint-Denis, des Farid Chaoui, des Chakib Khalil, les gens passent. La liste est malheureusement longue. Cette façon de faire à Jamal ne nous surprend pas. D'autant plus que l'environnement juridique en Algérie, il ne permet pas et ne facilite pas le travail d'investigation de journalistes. Vous savez, la loi est pourtant claire, mais cette aristocratie charogarde ne la respecte pas, cette loi. Elle fait par contre la loi. La loi, je vous donne un petit exemple. La loi interdit que vous transportiez avec vous vers l'étranger plus de 7000 euros. Et pourtant, aujourd'hui, je peux avancer sans risque de me tromper à Jamal, qu'il doit y avoir au bas mot plus de 180 milliards de dollars qui roupillent dans les banques étrangères et qui appartiennent à nos seigneurs. Je peux rappeler aussi un autre événement. Rappelons-nous, en 1980, lorsque Abdelhamid La Science, Abdelhamid Brahimi... Et pourtant Hassan Moussi. Oui. Tayeb Louh vient de parler aujourd'hui d'une convention entre la France et l'Algérie au sujet de ces fonds placés à l'étranger par les Algériens
Alors, il fait également donc des conventions internationales au Caire adhère l'Algérie. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien, c'est au mode impératif. Hein. Il dit, nous lèverons, non pas impératif, pardon, c'est-à-dire affirmatif, nous lèverons le secret bancaire sur les comptes suspects. Les comptes suspects. Qu'est-ce qu'il entend par là, Hassan Moussi? Moi, qu'est-ce qu'il entend par là? Moi, je dis que ce n'est que des mots qu'on dit Edith Piaf. Des mots, rien que des mots et toujours des mots. Moi, j'y crois pas. Il ne lèvera absolument rien, il ne dénoncera absolument rien, Jamal. Ces gens-là qui nous gouvernent aujourd'hui, ils font table rase sur tout. Ils s'entendent, ils sont en train de diviser le gâteau algérien, ils méprisent le peuple. Moi, je vous dis, aujourd'hui, il y a plus de 180 milliards de dollars qui roupillent à Dubaï et par ailleurs. Moi, ce qui me désole, ce qui m'énerve le plus, c'est qu'en 1980, quand Abdelhamid Brahimi avait évoqué... Comment avez-vous eu ce chiffre de 180 milliards? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 100? Pourquoi 180? On a fait une petite recherche à Jamal. Moi, je vous l'avais dit tout à fait au début, au moment où j'étais coupé, là. Je vous dis que je n'annonce que ce qui est vérifié et vérifiable. 180 millions, j'ai vraiment minimisé les dégâts. Et pourtant, je ne voudrais pas parler encore de 1000 milliards de dollars de dépensés à tort et à travers. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que pourquoi, dans les années 80, quand on a annoncé les 26 milliards de dollars par Abdelhamid Brahimi, c'était comme un tremblement de terre de 8 degrés sur Richter dans la tête de tous les Algériens, des politiciens algériens. Et aujourd'hui, avec tout ce que nous voyons de tous les malheurs que traverse l'Algérie, tous ces vols, ces détournements, ces milliards et demi de milliards qui sortent, ni l'opposition, ni les intellectuels ne lèvent le petit doigt, Jamal. C'est là où il faut mettre l'accent. Là, on s'adresse à nos intellectuels, à l'opposition pour dénoncer ce type de pratique. Restez avec nous, Hassan Moussi. Hassan Hirsch. Moussi vient de vous parler à titre d'exemple là, de Saadani, de Chakib Khalil, de Sellal. Par exemple, Saadani, connaissant un peu les scandales qui ont émaillé sa carrière, sont très connus avec des détails. Par exemple, l'un d'eux, c'est que le fils de Ammar Saadani a obtenu des concessions au port de Mossa Ghanem, des concessions de façon tout à fait opaque. Et il a même incité la direction générale du port à rompre un contrat qui le gênait, avec l'entreprise Bitume West, vous voyez un peu. Alors, Sellal, on connaît ces phrases, hein. C'est des histoires qui sont vraiment très difficiles. Je n'en parlerai pas parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'arguments. Chakib Khalil, il a cassé tous les records, puisque l'Italie, sur cette affaire où il est impliqué, enfin, où les Bja, où ils sont impliqués, qui étaient ses prête-noms en quelque sorte, et ses courtiers, les Italiens parlent du plus gros pot de vin de l'histoire de l'Italie. 300 millions de dollars. Le plus gros. Alors imaginez, en Italie, pays où règne la mafia, où les pots de vin sont monnaie courante, si je peux dire, et ils parlent du plus gros pot de vin dans l'histoire de l'Italie. Et pourtant, M. Chakib Khalil a été lavé par la justice de la nuit, et M. Ouyahia lui-même l'a annoncé, et il ne s'est rien passé, non seulement pour lui, mais pour son épouse et pour ses enfants aussi. Ils ont levé toutes les interdictions, ils peuvent rentrer en Algérie, ils ne sont plus inquiétables, si je peux dire. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un terrain conquis? Oui, c'est un peu ce que je disais tout à fait au départ, c'est-à-dire que l'entreprise algérienne, je parle de l'entreprise publique, n'est pas un lieu de production de biens manufacturés, mais un lieu de production de liens. Les ministères, les institutions, les wilayas, ne sont pas des institutions qui produisent des services publics, mais c'est des lieux de production de liens également. Donc il ne faut pas s'étonner que la famille, au sens large, et les proches soient arrosés et servent d'intermédiaires dans ces affaires opaques. Le problème de l'Algérie, qui est, rappelons-le, dans les statistiques de Transparency International, l'Algérie est placée parmi les 30 pays les plus corrompus de la planète.
Donc, en analysant 178 pays, l'Algérie se trouve totalement au peloton des pays les plus corrompus. Et il ne faut donc pas s'étonner qu'il y ait les affaires dont vous parlez les uns et les autres ici. C'est quand même fort. Hein. Et dans l'Algérie, parmi les 30 pays les plus corrompus de la planète. Ah oui, absolument. C'est incroyable. Et c'est des gens qui viennent nous faire des discours sur Fahamet Ouroz. Et particulièrement, la dégringolade de ce pays a été à vitesse grand V ces 20 dernières années. Donc, je disais que les institutions donc, sont prises par les liens familiaux et des privilèges sont accordés, soit effectivement dans le foncier, soit des concessions au niveau des ports, au niveau des transports, au niveau... Des crédits bancaires, des contrats spéciaux au sud, tout autour de son Sonatrach. On n'en parle pas suffisamment, hein, de la grande corruption qui règne au Sahara, autour de son Sonatrach par des familles. Ce sont des familles qui ont... Je vais vous donner un exemple, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Un exemple, mais ce n'est pas le seul. Par exemple, Aigle Azur. Aigle Azur est né autour des compagnies qui travaillent avec Sonatrach. Il a été créé avec des généraux, avec l'aide de généraux, Azri Jerweden, qui a commencé avec GoFast, hein, puis qui est devenu Aigle Azur, qui a acheté une compagnie, qui est devenue aujourd'hui une compagnie internationale, mondiale et tout. Mais il n'y a pas que lui. Il y a des dizaines et des dizaines de familles, tous plus ou moins proches des généraux, des ministres, de la famille royale, et qui donc sont sur l'exploitation de ces sociétés qui rapporte en centaines de millions de dollars. De toute façon, Jamal Eddine, oui, ce processus de corruption ira en s'agrandissant au fur et à mesure que l'opacité, non seulement elle demeure, mais aussi s'accentue. Oui. On voit déjà au niveau des élections, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on sait qu'il y aura la reproduction du système. Regardons les faits. Les faits. Il y a plus de corruption dans les daïras que dans les APC. Il y a plus de corruption dans les wilayas que dans les APW. Il y a plus de corruption dans les ministères que dans l'APW, etc. Ouais. C'est-à-dire que là où il y a de l'alternance, il y a forcément moins de corruption. On l'a vu aussi, on vit dans ce pays, en France, on voit que les scandales, les grands scandales de corruption, ont été déjoués dès lors qu'il a commencé à avoir alternance au pouvoir depuis 1981. Et c'est au fur et à mesure qu'il y a alternance, l'équipe qui arrive dénonce effectivement les détournements, les arrangements, les copinages, etc. de l'équipe précédente. Donc sans l'alternance au pouvoir, l'Algérie continuera dans cette voie de grande corruption et sera toujours un des pays... Mais il n'y a pas d'alternance au pouvoir, Hassan. C'est ce que je dis. Puisque nous avons déjà 4 mandats et que nous allons aller très probablement vers le 5e. C'est ce que je pense. Et que la famille royale ne se cache plus. Elle est en train de se comporter de façon à faire comprendre à tout le monde que celui qui est avec elle, il a tout ce qu'il veut, et que celui qui est contre elle, il sera effacé. Et c'est ce qu'ils font. Oui. Voilà, ce qui veut dire que les juges qu'on a formés contre la corruption, les procureurs qu'on a formés contre la corruption, le fisc, les agents du fisc qu'on a formés contre la corruption, tous ces gens-là, il y a un certain nombre d'agents de l'État dans les institutions qui sont capables de déjouer ces corruptions-là, les détournements, etc. Mais le problème, c'est que tous ces agents qui ont effectivement des capacités de, comment dire, désensevelir les affaires opaques, les scandales, etc., eh bien, ils ne peuvent pas agir dans la mesure où la justice n'est pas libre, la presse n'est pas libre, où les juges et les procureurs ne sont pas libres, et dès lors qu'il n'y a pas séparation des pouvoirs dans un pays, il est évident que c'est le paradis des gens qui ont envie de s'enrichir de façon totalement illicite et de façon totalement inconsidérée. Nassim Taleb, c'est quoi cette corruption?
qui s'est étalé, qui a fait tache d'huile, qui est allé très en profondeur. Par exemple, hein, comme l'exemple que vient de donner Hassan, par exemple, les inspecteurs des impôts. Les inspecteurs des impôts aujourd'hui, qui comptent beaucoup de fonctionnaires intègres, sérieux, pères de famille, mais qui comptent aussi beaucoup, c'est connu, hein, les inspecteurs des impôts où la corruption règne, les magistrats où la corruption règne. Est-ce parce que le gouvernement fait exprès de ne pas les payer suffisamment pour les inciter à la corruption? Est-ce qu'ils procèdent d'une logique sociale? Est-ce que c'est parce que ça a été en quelque sorte, j'allais dire, désacralisé, que c'est rentré dans les mœurs de pouvoir prendre de la corruption, faire vivre ses enfants comme ça, les belhijb, beswar darachwa? Qu'est-ce qui se passe dans cette société? Encore une fois, c'est une multitude de facteurs. Après, on devient finalement, à des rares exceptions, bien sûr, il y a toujours des gens honnêtes, intègres, mais la plupart sont dans la, pris par la vague de la corruption, du gain facile. Et ça, on le voit. On voit la société algérienne à l'époque, c'était quand quelqu'un voulait demander la main de votre fille, vous lui disiez... Vous demandiez est-ce qu'il était de bonne famille, est-ce qu'il est de bonnes mœurs, est-ce qu'il est correct aujourd'hui. Maintenant, on demande est-ce qu'il y a de l'habbat, la main dessus. Exactement. Aujourd'hui, est-ce qu'il est riche ou pauvre? S'il est riche, je te donne ma fille. Donc, l'échelle des valeurs a complètement changé en Algérie. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, comme le disait M. Hirsch, ça vient d'en haut. Ça ne vient pas d'en bas, la corruption. Oui. Parce que la corruption, elle ne peut pas partir de la base s'il y a un état de droit, s'il y a des garde-fous, comme des procureurs, des juges, une presse libre, etc. Ce n'est pas possible. Mais je peux vous rétorquer aussi que les gens d'en haut viennent d'en bas. Ils ne sont pas tombés du ciel, les gens d'en haut, ils sont sortis du peuple. C'est le peuple qui les a enfantés. Kharjou min Jinabou ki mangoulou hana. Et la population, la société algérienne aujourd'hui, accepte ces travers, accepte cette... Sauf que moi, je tiens responsable quelqu'un qui a une responsabilité, qu'il sorte du peuple ou pas. Oui. C'est lui le responsable. Moi, je ne vais pas juger une personne lambda. C'est lui qui est aux commandes. Donc, oui, mais moi, vous êtes en train de me dire, donc ça vient de chez nous, ça vient de la base, ça vient de nos valeurs. Non, bien au contraire. Quand vous avez un système qui a été mis en place déjà à l'époque de Ben Bella, qui a continué avec Boumedine, où le chef de service, le directeur central, etc., puisé dans les caisses de l'État, personne ne lui disait rien du tout. Ah, je regrette. Je n'ai aucune sympathie pour Boumedine, très franchement. Mais du temps de Boumedine, ça ne se passait pas comme ça. Ça a commencé. Mais ce n'était pas à ce train-là. Même les gens qui volaient, qui se faisaient corrompre, ils avaient honte, ils se cachaient. Même les façades de leur maison, elles étaient laissées délabrées. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est que la richesse, à l'époque, c'était quelque chose qu'il fallait cacher. C'était quelqu'un qui était riche, il était plus ou moins foncièrement quelqu'un qui était magouilleur. Mais par contre, la corruption, elle est venue d'en haut. Le peuple algérien en 62, puisque vous le dites, n'était pas comme ça. Donc ce peuple-là, en 62, c'est toujours le même peuple en 2018. Il n'a pas changé. Qu'est-ce qui a changé? C'est le mode de gouvernance. Vous avez des présidents, vous avez des chefs, par exemple des affairistes comme Zeggar, comme Boussouf qui était dans l'armement, etc., etc., qui faisait le pluie et le beau temps, qui avait les ministres qui roulaient en cabriolet, etc., etc. Le peuple, regardant ça, il se dit, si lui, il peut... rappelez-vous la fameuse phrase de Boumedine. Donc ça, c'est quand même... Mais le problème, quand on connaît la nature humaine, c'est quand il y a un État, quand il n'y a pas d'État, quand il n'y a pas de justice, quand il n'y a pas une presse libre, des garde-fous, etc., c'est sûr que Sid, il ne va pas se contenter de Idok. On va faire justement parce que nos deux invités n'ont pas suffisamment pris. J'ai du mal à digérer, M. Ben Chenouf, le fait que ça ne se passait pas comme ça du temps de Boukharouba. Parce qu'en fait, c'est lui qui a placé ce système prédateur en enlevant la possibilité aux journalistes de dire ce qu'ils veulent, de révéler des affaires, en enlevant la possibilité aux citoyens de parler, en enlevant la possibilité aux intellectuels
de faire leurs enquêtes, etc., en donnant tous les pleins pouvoirs à l'armée, à la police, à la douane, etc., il a mis le système actuel de 2018 en place. Et pire que ça, c'est-à-dire que, au-delà du problème politique dont on parle, il y a un problème psychologique. C'est-à-dire que dès lors qu'un Algérien est capable de détourner, il a un sentiment de puissance, et ce sentiment de puissance-là qui lui donne une surface sociale, et ça devient justement quelque chose de naturel, et c'est ça la gravité Moussi, du problème. Hassan Moussi, il nous reste plus beaucoup de temps. Du temps de Boumediene, quel est votre avis? La corruption avait commencé, elle existait déjà, même s'il n'y avait pas beaucoup d'argent, ou c'était juste des façades savamment entretenues? Écoutez, moi j'ai toujours dit qu'à la limite, pendant les 15-20 ans là, on pourrait pardonner pour ceux qui avaient gouverné le pays, parce qu'on venait de sortir du choc colonial, et ce n'est qu'une expérience pour nous tous, bien que je n'ai pas dans le cœur Boumediene Rouviakhmo, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher. Moi, ce que je voulais dire par contre, si vous me donnez une petite minute, s'il vous plaît, moi je voulais dire que je me rappelle de l'époque de Zewal, où le pétrole se vendait à 9 dollars le baril. Vous m'entendez, Jamal? Oui, oui. Ok, où le pétrole se vendait déjà à 9 dollars le baril, et les recettes budgétaires avoisinaient 1000 milliards de dinars. Sous Bouteflika, durant 15 ans, le prix moyen du pétrole avait explosé. Il a aussi, Jamal, entre 90 et 130 dollars le baril. Nous avions atteint des recettes de plus de 6 000 milliards de dinars. C'est 20 fois plus l'époque de Zewel. Et à quoi on a assisté à Jamal? Oui, oui, on vous écoute. Oui, je disais malheureusement, on avait le PIB de l'Algérie, au moment où l'on vendait en pétrole à 130 dollars, l'Allemagne, la Russie et la France réunir, ouais, Jamal. C'est la vérité. Mais le pouvoir de Bouteflika et son équipe n'était là que pour consommer et gérer le fauteuil, malheureusement. Et l'argent qu'il y avait, elle n'a servi qu'à négocier le deuxième, troisième, quatrième et maintenant le cinquième mandat. Jamal? Oui. Moi, je pense qu'on va droit dans le mur. C'est certain. Bientôt, sera, à mon sens, le pays le moins peuplé du monde. Pourquoi? Parce que plus on s'enfonce et plus on baisse la tête. Et plus on laisse les portes ouvertes aux seuls profiteurs, aux gens de s'exiler, d'autres de se suicider. Ne restera dans notre grand pays que ceux qui craignent les cassoles et cette machiocratie riche et forte. Restez avec nous, Hassan Moussi. Monsieur Adjou, à votre avis, vous qui avez connu en tant que gestionnaire les périodes de Boumediene, de Chedli et de Bouteflika, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette... comment la corruption, comment les privilèges, l'attribution, l'octroi des privilèges se sont-ils, j'allais dire, peaufinés, devenu plus systémique, faisant partie du système lui-même? Essayez de nous dire quelque chose sur ça. Écoutez, moi je pense que, bon, avant, même s'il y avait certainement des privilèges, mais les gens ne les montraient pas d'une manière ostentatoire comme ça. Bon, les gens, même, comme le disait un de vos invités, se cachaient et cachaient leur fortune. Bon, aujourd'hui, bon, non seulement donc, bon, ils le montrent d'une manière ostentatoire, mais ils sont arrogants en plus de ça. Donc avec arrogance. Voilà. Mais c'est devenu, ça veut dire qu'il y a une décomplexion. Les gens sont plus complexés. Tout à fait. Aujourd'hui, bon, on est pris comme exemple. Le gars qui affiche, tout le monde sait que bon, c'est une richesse indue, mal acquise. Et puis bon, il l'affiche devant tout le monde. Et malheureusement, il y a beaucoup d'Algériens qui trouve ça tout à fait normal. Hein, donc. Mais dans le même temps, M. Odadjo, dans le même temps, ces gens-là sont respectés. Ils ont pignon sur rue. Ils sont là, ils roulent carrosse. Je ne sais pas ce que c'est le terme respecté. Hein. Donc, bon, je sais que bon, autour de chacun d'eux gravite tout un ensemble de, de, de,
Merci. Mesoud Adjo, rapidement, 30 secondes chacun. Ce que j'ai envie de dire par rapport à la dernière question, c'est que du temps de Boumdine, il y avait El Moudjahid, il y avait El Jaïch, il y avait Algérie Actualité. Aujourd'hui, heureusement, il y a des journalistes courageux, même s'ils n'ont pas les coudées franches vraiment, mais on voit bien la presse dont vous parliez qui rapporte justement mais pas sur affaires. Tout le monde. Mais pas sur tout le monde. Très certainement. Il y a encore des tabous qui n'ont jamais été franchis. Il y a encore des scandales. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était du temps de Boumdine, c'était totalement l'omerta. Et juste un dirigeant de PME allemand, dont j'ai retenu le nom, Edin Hartwitz, qui est patron de PME à Hanovre, il déclare dans une interview que pour tous les marchés publics, la grande corruption concerne les pays, et il cite donc l'Algérie en premier, l'Égypte, le Nigeria et la Russie. Nazim Talb, le mot de la fin, 30 secondes. Je crois que le constat, il est là, il est visible pour tous les Algériens. Malheureusement, on vit dans un pays corrompu. Et quand il y a une corruption qui est aussi endémique qu'en Algérie, ça fragilise l'État, ça fragilise les institutions. Ça fragilise l'Algérie aussi bien au niveau de l'intérieur qu'au niveau de l'extérieur. Et malheureusement, effectivement, si on continue sur cette lancée-là, malheureusement, on va effectivement droit vers un mur, effectivement. Merci. Merci. Sans l'alternance politique, tant que le politique est corrompu, l'économique et le financier est corrompu. Ça suit. Merci. Merci Hassan Hersh, merci Nazim Talab, merci Hassan Moussi, merci Mesoud Adjo. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Qu'Allah khair, bislama.